Ils ont beaucoup aidé à combattre et à éradiquer les groupes armés étrangers du sol congolais, spécialement du territoire de Lubero. Aujourd'hui, il est temps qu'ils quittent les groupes miliciens pour se concentrer sur les questions de développement du pays. C'est l'essentiel du message de l'administrateur du territoire de Lubero aux jeunes de sa juridiction le week-end dernier lors de son arrivée à Lufufu dans le sud de ce territoire. Richard Niembo, ou Niembo, a appelé les groupes armés locaux à déposer les armes. Ses propos ont été recueillis par Julien Vouya. À toute la population de comprendre qu'aujourd'hui, dans le territoire de Lubero, il n'y a plus de groupes armés étrangers. Nous restons avec nos frères et nous devons échanger, les conscientiser, leur demander de laisser avec ces activistes de groupes armés qui est un frein pour le développement, qui est un choc très fatal pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas conjuguer un développement tant qu'il n'y a pas de route. On ne sait pas organiser quelque chose en termes de développement tant qu'il y a de l'insécurité. Alors il est grand temps à nos frères qui sont en brousse de comprendre qu'ils ont pris les armes, bien entendu, pour une cause bien définie. Et ils ont fait ça parce que ça, nous devons reconnaître quand même qu'ils ont chassé tous les groupes armés étrangers qui étaient dans nos milieux. Ça, c'est bien. Mais à part ça, on va continuer à rester dans cette situation.